السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبائي التلاميذ في دروس الفصل الثالث للسنة الثانية متوسط. في هذا الفصل الثالث on a vu la légende اللي هي الأسطورة. C'est quoi une légende? La légende هي مزيج من الحقيقة والخيال، يعني الشخصيات تكون حقيقية، الأماكن حقيقية، ولكن الأحداث تكون خيالية. نقدروا نعطيو على سبيل المثال لا ليجوند دو خداوج العمياء. Selon la légende, la princesse Khdawj l'Amia était très belle. On raconte qu'à force de s'admirer devant son miroir, elle devient aveugle. C'est-à-dire Khdawj l'Amia كانت تتفرج في الجمال تاعها طوال الوقت devant son miroir ولهذا السبب اصبحت عمياء. Maintenant, nous allons observer les images de la page 104 du manuel scolaire. Qu'est-ce qu'on voit dans la première image? Un oiseau qui vole et un homme qui fabrique des ailes pour voler à son tour. إذا نلاحظ في الصورة الأولى عصفور يحلق في السماء وهناك شخص يريد تركيب جناحين ليطير بدوره. Aussi, on voit le soleil qui brille, الشمس الساطعة. Donc, les personnages qui se trouve dans la première image, un oiseau et un homme. Que font-ils? L'oiseau vole et l'homme essaye de voler à son tour. Deuxième image, que fait Icare? Va-t-il réussir à s'envoler et pourquoi? Donc, ce personnage s'appelle Icare. Que fait-il? Il se jette du haut d'une tour pour essayer de voler. Va-t-il réussir à s'envoler? Non, il ne va pas réussir à s'envoler. لن يستطيع الطيران. Pourquoi? Parce qu'il va perdre ses ailes ou bien ses ailes vont se détacher à cause de la chaleur ou bien du soleil. Image numéro 3. Que s'est-il passé finalement? Malheureusement, Icare a perdu ses ailes et il est tombé dans l'eau. Imagine et dis une autre fin à cette histoire ou bien à l'histoire. Bon, on peut dire, après qu'Icare avait perdu ses ailes, un oiseau l'a aidé à remonter au sommet de la tour. يعني بعد أن فقد إيكار جناحيه وكان على وشك السقوط في الماء قام طير بمساعدته إلى الصعود إلى أعلى البرج. Bon, le héros de cette légende s'appelle Icare. بطل هذه الأسطورة اسمه إيكار. Il est le premier homme à tenter de voler comme un oiseau. إنه الإنسان الأول الذي حاول الطيران مثل العصافير.